Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le dernier match de championnat, mais surtout pour la finale de Coupe nationale, ce qui équivaut à la Coupe de France hein, sur FIFA, contre l'Olympique Lyonnais. Donc, on joue ce petit match contre Lens, histoire de s'échauffer. Hein. Le championnat, il est déjà remporté. On a déjà soulevé le trophée lors de l'épisode précédent. Et ensuite, on se retrouvera pour la Coupe du Monde avec le Baroc. Je vous invite également à aller voir le dernier épisode avec Fofana, auquel également c'était un peu fou. Voilà, c'était un peu fou. Donc n'hésitez pas à aller voir l'épisode parce que vraiment c'était un peu la folie. Hein. Donc là, on va essayer de se contenter de gagner cette coupe. Le championnat s'est fait et gagner cette petite coupe avant d'aller à la Coupe du Monde. Ok, l'objectif ça sera de gagner la Coupe du Monde, hein. J'en ai rien à foutre. Oh là là, cette frappe pleine lucarne. Allez, 1-0, 6ème minute. Voilà, voilà le pied gauche. Après la saison pro. Mbappé. Oh non, Mbappé qui avait intercepté tout. Et évidemment, le championnat de Ligue 1, c'est notre premier championnat qu'on remporte. Hein. Ok, d'accord, l'action c'était un peu n'importe quoi. Mais ça passe. Le petit doublé, 24e minute. Fofana joue très très bas du côté de Lens. C'est bizarre. C'est bizarre, zéro tir cadré pour l'instant pour Lens. Je n'ai pas très inquiété. Ça manque de rythme et de conclusion. Ça défend bien sur le côté. Si on aurait pu défendre comme ça aussi en Ligue des Champions, ça aurait été pas mal, mais bon. J'ai l'impression que j'ai pas le droit de gagner la Champions League sur ce FIFA. J'espère quand même la gagner à un moment donné, mais j'ai voulu chercher Kylian Mbappé. Ballon bien renvoyé. Fede Valverde avec le ballon. Maintenant Moukele. La frappe. Oh là là, le troisième but. La petite passe D. Ah, il vient fixer vers l'intérieur. Ah, il y avait de quoi faire. Sur allez, action, Mbappé. Mais pas comme ça. Oh oui. Ah, c'est bien vu, la passe d'Mbappé. Oh, je suis un peu. Oh, ok, d'accord. Bon, bah, ça passe quand même. Et ben, le voici, le 40e but. Une efficacité redoutable et un sens du but diabolique. Contre-attaque, la récupération, la passe en profondeur, c'est parfait. Et voilà, 40 buts en 38 matchs pour Youssef Fares. Je suis sûr qu'on peut en mettre encore plus, mais bon, on va demander le changement. Lyon qui gagne 2-0 pour son dernier match aussi. On va affronter hein, juste après en finale. Oh, c'était bien joué ça. Allez, on va laisser notre place sur ce corner. Et on va simuler. On a réussi deux objectifs. Et ça finit en 5-0. L'équipe de la compétition. Alors, est-ce que je suis dedans? Ouais, on est dedans. On est dedans avec Kylian Mbappé. Donc ça sent déjà très très bon. Classement Ligue 1. Donc là, c'est le classement final. 95 points. Du coup, on n'avait qu'une seule défaite. Si Lyon, ils sont deuxième. Et oui, ils sont passés devant l'Olympique de Marseille. Donc, Marseille qui termine 3e, Nice 4e, Monaco 5e. Et en bas du classement, Toulouse se sont bien sauvés. Hein. Les résultats quand même en Coupe d'Europe. Oh, what? Ah non, ok, c'est pas là. Ok, là, c'est la Conference League. Ok, la Conference League. Porto qui gagne l'Europa League. Et c'est Liverpool qui remporte la Champions League. Ça, par contre, c'est chiant que le fond ne change pas, là. Et du coup, pour l'instant, en Coupe de France, c'est Mbappé le meilleur buteur. Et le meilleur buteur en Ligue 1, donc juste derrière, c'est Mbappé. Hein. Mbappé qui finit avec 24 buts en 38 matchs. Et on finit également meilleur passeur devant Kylian Mbappé également. Et bah oui, on est au Parc des Princes du coup pour cette finale, donc on a l'avantage. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à rejoindre la chaîne secondaire Psicato MTV. Je vous mettrai le lien dans la description. N'hésitez pas, alors pour l'instant, il n'y a pas de contenu. Parfois il y aura même des vidéos découvertes sur d'autres jeux, même si parfois j'aime bien aussi les faire sur cette chaîne là. Mais
Parfois, je les ferai également sur la chaîne secondaire. Sinon, la plupart du temps, ça sera sûrement des VOD ou des trucs comme ça. Pour l'instant, je sais pas. Voilà, la chaîne, elle existe, elle est là. Quand est-ce que le contenu arrivera dessus? Pour le moment, je ne sais pas. Enfin, en tout cas, la chaîne a été créée depuis 2017, mais je l'avais jamais partagée, en fait, tout simplement. Attention à cette passe. C'est encore pour Mbappé. Le ballon pour Kylian Mbappé pour prendre l'avantage. Je m'en doutais qu'il allait me la remettre. Oh, il faut pas avoir. Ah, je m'en doutais qu'il allait me la remettre. Oh, j'ai eu peur d'être blessé, putain. Fares fait pas des trucs comme ça là, il se tient le genou. Qu'est-ce qu'il est con lui. Et ouais, pour l'instant, on se fait chier là dans ce match. Non, pour le coup là, vraiment, il y a rien. Possession équilibrée, bah ouais, 0 tir cadré. C'est aussi simple que ça. Aucune passe de pénétration en profondeur. Et bah voilà. Et bah voilà. Oh bordel. Bon, il s'est fait bouger là, mon défenseur aussi. Oh, il s'est fait bouger sur l'interception. C'est bien joué. Attention la frappe. J'ai tenté. J'aurais peut-être pu même avancer. Lyon, ils m'ont laissé la porte ouverte. Mais quel match de merde, hein. Oh, il m'énerve à faire des passes où il n'y a vraiment pas la place en fait. Où vraiment il n'y a pas la place du tout. Et tout ça part de la mauvaise passe. Hein. C'est vraiment une catastrophe. Hein. Il vient fixer vers l'intérieur. Allez! Allez, let's go là, les gars. Là. On y va là. Neymar qui a fait son entrée. Comment ça, Neymar, il est là? Genre, le mec, il joue pas une seule fois. Il joue quoi? Deux matchs dans la saison et ils font jouer une finale. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Il y a certains coéquipiers là qui commencent à un peu à m'énerver là. J'en étais sûr que Koundé, il allait se faire feinter là-dessus. On est passé ultra offensif. Attention, passer ultra offensif sur un corner. Je sais pas si c'est une bonne idée, mais bon. Ah, il met bien son corps en opposition pour conserver cette balle. Il reste 5 minutes. Hein. A toujours ce petit avantage d'un but à défendre dans les 5 dernières minutes. Allez, Neymar. Ah, l'option de la contre-attaque est possible. Let's go! Le mauvais pied, le pied gauche qu'on a amélioré. Ah mais non, on l'a pas amélioré en fait, on l'a pas amélioré, je suis con. Il nous reste, enfin on a toujours 4 étoiles, mais c'est mieux d'avoir 5 étoiles, mais bon. Les 4 étoiles font le taf là-dessus quand même. Bien joué Neymar. La petite passe en retrait. Bon là je vous avoue, j'ai vu Mbappé, je me suis dit ouais c'est mort, ça passe pas. Je tente la frappe. Je pensais vraiment que la frappe elle allait être contrée. C'est passé. Ah, prolongation, ça va être dur. Bon, on va mettre ça là. Oh, il fait sortir Kylian Mbappé. Ah oui, de toute façon, il peut pas faire sortir. Attends, mais Neymar il est titulaire depuis le début. Mais j'ai même pas fait gaffe à la compo, putain, bordel. Il y a les fleurs, la nappe et la c'est vaisselle, passé, limite. Du dimanche, on assiste à un magnifique festin du football pour tous les invités. Oh, j'aurais dû la jouer sur Neymar là-dessus. Un corner qui est bien ajusté. Le corner ne donne rien. Ballon renvoyé par les défenseurs. Personne derrière. Oh là là, faut revenir. Hein. Faut revenir. Bien joué ça. Voilà. Bonne progression dans le camp adverse. Neymar. Oui. Mohamed Salah pour donner la victoire. Peut-être. La célébration. Neymar, il nous a apporté plus que toute la saison là dans ce match. C'est l'une des dernières offensives pour essayer de renverser la situation.
maîtrisé. Le danger est écarté. Sur le côté, Mossala, il a du champ. Attention, voilà un bon duel. Et le voilà, le but du titre, le but de la victoire, le but en or. Voilà, je vous ai laissé profiter. Non, c'est faux en fait, mon micro s'est juste coupé sur cette action de Neymar. Mon micro s'est juste coupé sur cette action, enfin du moins sur tout le contre. Désolé, vous n'avez pas ma réaction. Mes premiers buts dans cette Coupe de France pour Neymar, évidemment. Et du coup, c'est terminé. Let's go! Championnat, Coupe nationale, on a réussi quand même le doublé, même si on voulait la Champions League. Et Neymar, il a joué, il s'est fait plaisir. Maintenant, place au Maroc. Place à la Coupe du Monde avec Youssef Fares. Donc voilà, je vous donne rendez-vous du coup très très vite. Prochain épisode, hein, tout simplement. Prochain épisode, bam, Coupe du Monde. On affrontera, je crois, l'Argentine en premier match. Donc c'est déjà, si on gagne face à l'Argentine, ça nous mettrait quand même plutôt bien. Donc voilà, on se donne rendez-vous pour la Coupe du Monde. Et on se laisse sur ces images. Voilà, n'hésite pas à mettre le petit pouce bleu à la vidéo, à t'abonner aussi à la chaîne secondaire. Et puis bah, ouais, à mettre le petit commentaire sur cette chaîne aussi, parce que c'est la chaîne principale. Elle a besoin de soutien en ce moment, c'est un peu compliqué. Donc merci à tous ceux qui sont présents sur les épisodes. A très vite, ciao. C'est ça la magie du football. Aucune autre activité ne donnera autant de joie à autant de monde en même temps. Aucune. C'est le moment de présenter la coupe. Goûter, savourer, déguster ces moments de joie, imprimer le plus d'émotions.